Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des 5 derniers films que j'ai vus, mais également des 2 dernières séries que j'ai vues. Mais avant, générique. Le premier film, il s'agit de Star Wars numéro 9, l'ascension de Skywalker. Ce film est la conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. 42 ans après le premier film, la lignée des Skywalker prenne fin avec ce dernier épisode. C'est en fait le point final de cette nouvelle trilogie qui a commencé en 2015. J'avais beaucoup aimé les 2 précédents de cette trilogie et je dois vous avouer que ce troisième volet, je trouve qu'il suit exactement le même chemin. Je sais que pour beaucoup ont été déçus de cette trilogie, soit du premier, soit du deuxième, soit du troisième. Bref, je sais que pour beaucoup, cette trilogie ne fait pas l'unanimité. Mais en tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé les 2 premiers volets et je dirais que ce dernier volet suit le même chemin. On connaît enfin les origines de Rey et je trouve que c'est très cohérent avec le retour d'un fameux grand méchant et franchement j'ai beaucoup aimé. Ce film est très esthétique, les effets spéciaux sont extrêmement bien intégrés, il y a de l'action, bon un peu prévisible mais voilà c'est très rythmé. Émouvant aussi avec le départ de Leïla parce que oui Carrie Fisher est décédée comme vous le savez il y a quelques temps et donc du coup voilà, c'est aussi en quelque sorte un hommage à son départ et c'était très émouvant, ouais, parce que j'ai pleuré, je n'ai pas pu m'en empêcher. Par contre, au niveau de Rey, le personnage de Rey, disons que je l'appréciais lors des 2 précédents volets, mais là par contre dans ce troisième film, j'ai beaucoup moins accroché avec son personnage. Elle m'a pas mal agacée, je dirais. Je trouve que ce film termine comme il faut en fait cette trilogie et je n'ai pas été déçue. Bon, même si voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu prévisible et Rey m'a un petit peu agacée par moments, même beaucoup. Ouais, ça reste quand même une bonne fin de trilogie, je trouve. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis parce que je sais que beaucoup ne partagent pas cet avis. Et d'ailleurs, qu'en est-il de vos avis? Parce que oui, sur Instagram, je vous ai demandé vos avis sur ce Star Wars numéro 9. Donc, on va les voir tout de suite. Voici donc vos avis concernant l'ascension de Skywalker. Alors pour beaucoup, vous avez bien aimé, d'autres encore ont adoré, et puis il y a aussi certains d'entre vous qui ont été déçus. Vous l'avez trouvé décevant, du grand n'importe quoi, vous vous attendez à mieux. Donc ouais, il y a vraiment de tout comme avis par rapport à ce film. Je vais maintenant vous parler de Wonder Woman 1984, donc le deuxième volet de Wonder Woman. Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazon devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80, cette fois Wonder Woman doit affronter 2 nouveaux ennemis particulièrement redoutables, Max Lord et Cheetah. J'ai beaucoup aimé ce film, mais quand même, je dois vous avouer que je préfère quand même largement le premier film. Parce que disons que ce second volet est quand même très prévisible, quand même. Après, j'ai beaucoup aimé la période dans laquelle se déroule ce film. Wonder Woman, jouée par Gal Gadot, est toujours incroyable. En fait, elle était faite pour jouer ce rôle, c'est juste incroyable. Elle est épatante, époustouflante. L'histoire est prenante, bon, prévisible comme je vous l'ai dit, mais vraiment prenante. Et les effets spéciaux sont vraiment hyper bien intégrés. Franchement, ouais, j'ai passé un super bon moment. Après, encore une fois, ce n'est pas mon film préféré. Je préfère largement le premier Wonder Woman, mais c'est quand même un film que je vous conseille si vous avez vu le premier. Encore une fois, vos avis sont très partagés. Il y en a quand même pas mal qui ont été déçus, d'autres qui ont adoré ce film, ou encore, comme pour moi, comme pour mon avis, vous avez préféré le 1, mais vous avez trouvé quand même ce second film sympathique. Donc ouais, il y a de tout comme avis. Love and Monsters, qui est disponible sur Netflix. Joel Dawson se cache sous terre 7 ans après que sa maison ait été envahie par de dangereux monstres. Là-bas, il utilise une radio pour essayer de contacter son amour de lycée, Aimée. Lorsqu'il découvre où elle se trouve, il se met à sa recherche. Dans sa lutte contre les créatures, il reçoit le soutien d'un chasseur de monstres expérimenté. Je crois que c'est le mot que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent. C'est un film qui est prévisible, ouais, c'est un film qui est
assez prévisible mais qui est hyper sympathique. Avec Flair, on a passé un super bon moment. Il y a des pointes d'humour par-ci par-là, les effets spéciaux sont hyper bien intégrés. D'ailleurs, je trouve que c'est un film qui est généreux en monstres, qui sont quand même très bien réalisés. On a un Dylan O'Brien que franchement, bah voilà, qui est encore une fois très 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 convaincant. Par contre, la fin, je l'ai trouvé plutôt rapide. Ouais, plutôt la conclusion, je l'ai trouvé plutôt rapide, plutôt expédiée. Mais bon, hein, on sait tous et toutes que un 2 va arriver, ça c'est sûr, hein, clairement, vu la fin, je pense que... Je crois d'ailleurs que c'est prévu qu'il va y avoir un 2. Enfin bref, quoi qu'il en soit, vu la fin, je peux comprendre s'il y a un 2. Sinon, non, elle est beaucoup trop rapide. Clairement, si vous cherchez un film post-apocalyptique avec des monstres bien faits, avec une touche d'humour par-ci par-là, avec un Dylan O'Brien au top de sa forme, franchement, c'est un film que je vous conseille. Alors au niveau de vos avis, encore une fois, vous avez en grande majorité beaucoup aimé ce film, notamment pour Dylan, ce que je peux comprendre, et aussi le chien. Oui, je ne vous ai pas parlé du chien, mais franchement, il joue trop bien, j'ai trouvé vraiment trop mignon, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce duo. Et il y a aussi donc mon frère qui a laissé un commentaire, comme quoi il a aussi beaucoup aimé. Ouais, en grande majorité, vous avez beaucoup aimé, vous avez passé un bon moment. Hansel et Gretel, les agents secrets ? Oh, je sais même plus le titre. Désormais, agents secrets, les personnages du célèbre conte Hansel et Gretel mobilisent magie, intelligence et travail d'équipe pour retrouver un roi disparu. J'ai eu un coup de cœur pour ce film, ouais. Je vous en ai parlé brièvement dans cette vidéo, dans mes derniers favoris, et je dois vous avouer que ouais, j'ai eu un coup de cœur pour ce film, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a de l'émotion, avec le lien fraternel, c'est prenant. L'histoire est originale, mais en même temps, elle s'inspire, elle fait des clins d'œil à l'histoire originale créée par les frères Grimm, la fameuse histoire de Hansel et Gretel, que je pense beaucoup, que tout le monde connaît. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire, je l'ai trouvée vraiment originale. En plus, ça, il y a des petites références, notamment à un moment donné, il y a des références au Seigneur des Anneaux, à Harry Potter aussi, à Thor, enfin bref, je trouve que ouais, j'aime beaucoup les clins d'œil. Et c'est un film d'ailleurs qui est russe, si je dis pas de bêtises, et je trouve que c'est, ouais, franchement, c'est très prometteur. Je sais pas s'il va y avoir une autre suite ou d'autres films de ce genre qui vont reprendre des contes d'autrefois, mais ça serait cool. Ouais, et franchement, je vous le conseille. Si vous avez envie de passer un super bon moment, de voir un film avec de l'action qui est hyper sympathique et émouvant, ouais, regardez-le. Alors vous m'avez donné quelques-uns de vos avis, vous avez trouvé qu'il était excellent, correct, ou encore certains ne l'ont pas vu. Voyage vers la Lune, qui est aussi disponible sur Netflix. Aussi brillante que passionnée de science, une jeune fille déterminée construit une fusée pour se rendre sur la Lune et prouver l'existence d'une légendaire déesse lunaire. C'est alors qu'elle se retrouve embarquée dans une quête inattendue et qu'elle découvre un univers féerique, peuplé de créatures fantastiques. Alors encore une fois, ce film est hyper, hyper original. Il est très émouvant, et ce, dès le début jusqu'à la fin. Et j'ai versé pas mal de larmes. Ouais, c'est vraiment une jolie histoire qui est très belle, qui est très onirique, qui fait découvrir les légendes chinoises, où on a des personnages hyper attachants. La petite fille est tellement attachante, mais tellement, les autres aussi d'ailleurs. Les musiques sont très belles, c'est une histoire, ouais, qui est très belle dans sa globalité. Même au niveau de l'esthétisme, les images sont vraiment très belles. Après, c'est vrai que je dois vous avouer qu'il y a certaines choses que j'ai trouvées un petit peu complètement loufoques, mais ça collait plutôt bien avec l'histoire. Donc franchement, si vous avez envie de voir un très beau film et où vous n'avez pas peur de pleurer, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment, ouais, un film qui m'a tellement touchée et que je vous conseille trop. Alors encore une fois, les avis divergent. Vous avez trouvé, alors certains ont trouvé ce film naze, ont trouvé ce film étrange, ont trouvé ce film bizarre. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, hein, il y a certains personnages qui sont étranges. C'est vrai que ça paraît très bizarre. Vous avez trouvé aussi ce film très beau visuellement. Vous l'avez trouvé, ouais, très beau, poétique. Comme moi, finalement. C'est vrai que pour beaucoup, vous l'avez aussi aimé. Et je comprends. Alors maintenant, on va parler de séries, et je vais commencer avec Falcon and Winter Soldier, disponible sur Disney+. Cette série se déroule juste après les événements d'Avengers Endgame, et donc on va suivre Sam Wilson alias Falcon et Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, qui vont se lancer dans une aventure autour du monde qui va mettre leurs ressources et leur patience à rude épreuve. Je vous ai brièvement parlé de cette série dans mes derniers favoris, et clairement, bah, depuis, on a terminé cette première saison.
Et on aime trop. Qui, bien sûr, donc c'est une première saison, mais d'après ce que j'ai vu, il n'y aura qu'une seule saison, et du coup, elle va introduire un certain Captain America 4, qui devrait donc sortir plus tard. Déjà, le point fort de cette histoire, c'est le duo Sam-Bucky. J'aime trop ce duo, leur dialogue, leur joute verbale avec une pointe d'humour qui n'est ni trop ni pas assez, qui est juste comme il faut. Ouais, franchement, j'aime trop ce duo et c'est vrai que de base, ce ne sont pas des personnages que, ouais, j'apprécie ces personnages, mais c'est vrai que j'ai jamais trop été intéressée par eux dans le MCU. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu cette série, j'aime vraiment ces personnages de plus en plus. Et là, en ce moment, avec Flavien, on est en train de se faire un marathon spécial MCU. On regarde tous les films dans l'ordre chronologique. D'ailleurs, je fais un vlog en même temps. Et du coup, c'est vrai que je suis trop contente de retrouver Bucky. Et puis aussi, plus tard, on va retrouver Falcon dans d'autres films. Mais c'est vrai que Bucky, c'est un personnage auquel j'accordais pas trop d'importance avant. Mais depuis cette série, j'aime trop. Clairement, j'aime trop. Et puis Sebastian Stan, on est d'accord qu'il est grave stylé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais il a commencé avec Gossip Girl. Il jouait le rôle de Carter Bazen. Et franchement, je n'aimais pas du tout ce personnage. Mais c'est vrai que dans le rôle de Bucky, j'apprécie beaucoup. Bien évidemment, si vous avez suivi le MCU, c'est une série que je vous conseille trop. Après, c'est complètement différent de WandaVision, donc je peux pas vous dire que j'ai plus aimé cette série que WandaVision, ce serait totalement vous mentir, parce que WandaVision, ça a été un énorme coup de cœur, mais après, ce n'est pas du tout comparable, parce que c'est totalement différent. Après, le seul petit bémol que j'ai à dire par rapport à cette série de Falcon et le Soldat de l'Hiver, ce sont les méchants, en fait. Les méchants, c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas trop accroché avec ce côté-là de l'intrigue. Enfin, disons que ce sont pas des méchants qui, pour moi, sont incroyables. Voilà, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, c'est une série que je vous conseille. En grande majorité, vous avez adoré cette série, le duo Sam et Bucky, surtout Bucky, hein, je vois ça, hein. Ouais, en grande majorité, vous avez adoré, vous l'avez trouvé très bien, vous avez kiffé. Et je comprends. J'ai l'impression que j'ai la voix qui part en live par moment. J'en suis navrée. Bon, sinon, je vais terminer cette vidéo par vous parler de Shadow and Bone, qui est disponible sur Netflix. Le royaume de la Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline, Alina, qui a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son amie d'enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider ? On a commencé cette série le jour de sa sortie parce que on voulait trop la voir. Mais le truc, c'est que quand j'ai vu les avis, je me suis dit mais... encore une fois, comme pour mon amie Adèle, je suis pas spécialement d'accord. Et c'est vrai que ça m'a vraiment embêtée parce que je me suis dit, mais attends, tout le monde aime, sauf moi. Enfin, je peux pas dire que je n'aime pas. Ce serait encore une fois vous mentir. Mais disons que cette série n'est pas un coup de cœur pour moi et ce n'est pas une série que j'ai trouvée incroyable. Et je suis tellement désolée de vous dire ça parce que je sais que beaucoup ont adoré. Mais ça n'a pas du tout été mon cas. Sorry. Cette histoire est basée sur la saga littéraire Grisha qui a été écrite par Leigh Bardugo. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette série, on retrouve aussi une autre saga, la saga Six of Crows, qui a aussi été écrite par Leigh Bardugo, qui est donc un spin-off de la saga Grisha. Et donc pour ma part, je n'étais pas du tout au courant parce que j'ai le premier tome de la saga Six of Crows dans ma palle et je n'étais pas au courant que cette saga était une saga spin-off de Grisha. Comme ça je l'ai appris, donc je pense qu'il vaudrait peut-être mieux que je lise la saga Grisha d'abord, je pense. Tout ça pour vous dire que cette série est inspirée et basée sur une saga, enfin non, deux plutôt, sagas littéraires. Et donc pour ma part je ne peux pas vous dire si cette série est vraiment, fidèle aux sagas, je ne peux pas du tout vous dire puisque je n'ai pas lu les livres. Voilà pour ce petit point, cette petite base. Maintenant je vais vous parler de mon avis. Donc comme vous l'avez compris, ce n'est pas une saga que j'ai trouvée incroyable, disons que j'ai été plutôt mitigée. D'un côté, j'ai trouvé l'histoire mais vraiment originale et très prenante. Ça, clairement, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, c'est vraiment une histoire qui est très
Ouais, on se laisse se prendre dans l'histoire parce que clairement c'est hyper original. Enfin, Leigh Bardugo a juste, mais franchement, a trop d'imagination. Les effets spéciaux sont extrêmement bien réalisés, je trouve. Enfin, c'est vraiment très bien intégré, donc voilà, je suis vraiment fan de ce côté-là. Mais parce qu'il y a un mais, il y a quelques petites choses, disons, que j'ai moins aimées. Déjà, le fait qu'il y a quand même pas mal de lieux dans cette histoire, et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait une carte. Enfin, même s'il y a une carte au début, et je crois qu'elle réapparaît à certains moments, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de lieux, et à certains moments, je me suis perdue, en fait, je savais plus où on était, même s'il y a le nom de la ville, mais bon bref, j'étais un petit peu perdue. Et le gros point, disons, qui a fait que c'est pour cette raison que je n'ai pas surkiffé cette série, c'est Alina. Alina, c'est donc le personnage principal, joué par je ne sais plus quelle actrice. Disons que j'ai pas réussi à accrocher avec son charisme, en fait. Je dirais plutôt avec son manque, son absence de charisme. C'est bête de dire ça, mais ouais, je trouve qu'elle a pas assez de profondeur, pas assez de caractère, ce qui fait que j'ai pas réussi à accrocher avec le personnage de Alina. Voilà, ce n'est que mon avis, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager, on est bien d'accord, parce que je sais que beaucoup l'ont adoré, mais moi ce n'est pas du tout mon cas. Dans cette série, l'acteur Ben Barnes joue le Darkling, et donc je pense que vous connaissez Ben Barnes, hein. Vous l'avez soit vu dans Narnia ou encore dans la série Punisher, que j'aime trop. Et c'est vrai que Ben Barnes, c'est un acteur qui est très talentueux, mais là pour le coup, je trouve que pour le Darkling, je le trouve pas assez méchant, en fait. Je sais pas si dans la saga littéraire il est très méchant ou pas, ou s'il est comme ça, mais disons que, je sais pas, il manque de... Ouais, il est quand même méchant, mais je sais pas, pour moi il manque un peu de noirceur, c'est quand même le Darkling. Enfin, je sais pas, pour moi il manque de noirceur, sincèrement. Il manque du dark, il manque de la profondeur. Donc c'est vrai que même si Ben Barnes joue très bien ce personnage, pour moi il manque un peu de noirceur, ouais. J'ai vraiment préféré les moments avec Cass, avec Inej ou encore Jasper, même si Jasper, franchement... J'aime pas ce personnage, mais Cass et Inej, je les adore. Donc c'est vrai que j'ai vraiment préféré ces moments-là avec ces personnages-là que les moments où on voit Alina. C'est vrai que, ouais, comme j'ai pas trop accroché avec ce personnage, j'ai moins aimé ces moments avec elle. Et puis il y a certains moments où j'ai un peu levé les yeux au ciel, où je me suis dit, mais c'est trop, trop étrange, en fait. Comment vous dire sans vous spoiler ? Et vous savez quoi, j'ai envie de vous spoiler, hein. Voilà, maintenant il va y avoir un spoiler juste là, et si vous n'avez pas envie, eh bien, d'être spoilé, tout simplement, eh bien, allez à ce minutage-là. Voilà. En fait, il y a un moment donné où Alina échappe justement au Darkling, et donc elle a rencontré donc, la mère du Darkling juste avant, et donc là, elle s'échappe, bien évidemment, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, et elle va, se cacher dans le coffre, enfin dans la malle d'une calèche, et comme par hasard, Jasper est là, et il l'embarque, quoi. Mais j'ai envie de te dire, mais à quel moment t'as envie de te cacher? Tu te fous dans la malle d'une calèche, tu sais même pas à qui elle appartient et tu te caches dedans. Vous voyez, il y a des moments comme ça où je me suis dit, mais what the fuck? Clairement. J'ai trouvé aussi que la romance s'installait beaucoup trop vite. Je sais qu'elle était déçue que Mal ne lui donne pas de nouvelles, mais je sais pas, je trouve que c'est trop d'un seul coup et trop rapidement aussi. Donc voilà, il y a ces moments-là qui font que ça m'a... Voilà, j'ai pas spécialement accroché. Pour ma part, ce n'est pas la série du siècle. Ouais, ce n'est pas la série du siècle. C'est vrai que c'est clairement une série qui est, je trouve aussi, vraiment faite pour les fans de la saga littéraire. Je pense que c'est mieux de lire les livres avant de commencer la série, je pense, pour être moins perdu, pour être plus dans l'ambiance, en fait, je pense. Et d'ailleurs, pour tout vous avouer, on a vu cette série Shadow and Bone juste après avoir vu la série Les Irréguliers de Baker Street, que je vous conseille, mais trop. Et c'est vrai que cette série Les Irréguliers est tellement sombre, dark, il y a du gore aussi, c'est tellement bien fait, les personnages sont tellement attachants. Et c'est vrai que juste après on a regardé Shadow and Bone et ça n'a pas du tout la même saveur, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que ça a descendu d'un cran, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a moins accroché. La série Les Irréguliers de Baker Street, c'est vraiment une série que je vous conseille trop. J'ai fait, je vous en ai parlé dans cette vidéo sur mes favoris du moment. C'est clairement une série qui est juste incroyable, avec des effets spéciaux vraiment hyper bien réalisés, du gore, des maquillages de folie quand il y a du gore, avec des personnages hyper attachants, ces jeunes là, je les ai tellement adorés, l'histoire est hyper prenante, avec bien sûr le comme fil conducteur de l'histoire, en fait l'univers de Sherlock Holmes. Enfin, j'aime trop cette série, ça a été un véritable coup de cœur.
Je vous conseille trop cette série, malheureusement elle a été annulée, il n'y aura pas de saison 2, malheureusement, alors que pour Shadow and Bone j'ai vu qu'il y allait avoir une saison 2. Bon, c'est bien pour les fans de cette série, mais je sais pas du coup si je vais continuer, je ne sais pas, mais voilà. Alors là, pour le coup, c'est sans surprise, je vois que vous avez vraiment énormément adoré, vous avez été très nombreux à avoir adoré, à avoir eu aussi un coup de cœur pour cette série. Vous l'avez compris, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est vrai qu'en grande majorité, cette série vous plaît énormément, vous avez eu un gros coup de cœur, et voilà. Ouais, dommage que ce soit pas mon avis. Mais cela dit, je vois quand même que certains, certaines, pensent la même chose que moi. Donc d'un côté, ça me réconforte. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait découvrir de nouveaux films que vous allez peut-être regarder ou pas. Si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas. Et puis aussi séries d'ailleurs. Si vous avez déjà vu ce que je vous ai présenté, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, sans spoiler et avec bienveillance, parce que bien évidemment, ce n'est pas... c'est pas grave hein, si on n'a pas du tout le même avis, bien au contraire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !